Bonjour à tous les amis à la maison, bienvenue au cours Évolution. L'évolution karaté sportif, c'est très intéressant. Vous savez, on existe depuis très très longtemps et aujourd'hui, nous allons vérifier la concentration et l'écoute active. Est-ce que tu es prêt à commencer? Oui monsieur! Assieds-toi et dis contrôle! Jambes croisées, mais sur les jeux. 1 sur 10 ou 10 sur 10? J'aime ça quand tu dis 10 sur 10. Le 10 sur 10, ça veut dire que tu fais à ton meilleur. Faire à son meilleur, on le devient meilleur. Prends les mains, tape deux fois dans les mains, deux fois sur les genoux et prépare-toi parce qu'on a tout un défi. Oui, parce que je sais que tu fais tes exercices à l'école. Oui, des exercices à la maison pour l'école. Parce que c'est important, ne jamais oublier. Alors si je te dis 1 plus 1, et voilà 2. 5 plus 5, et voilà 10. Et peut-être qu'à la maison, tes parents te lancent un défi comme de faire une dictée pour justement à bien écrire, à pratiquer son français et à pratiquer son anglais. Alors nous, on va pratiquer les kicks karaté sportifs entre le avant, côté, en rond, crochet. Est-ce que tu es prêt à relever le défi? Oui, monsieur. Prépare-toi, prends ton poing, relève-toi et dis « Confiance! Je suis capable de réussir! » Position. Répète après moi, concentrez les yeux. Concentrez l'esprit. Concentrez le. J'aime ça. Oublie pas, quand tu donnes les réponses 10 sur 10, prépare la position de combat. Position de combat. Ha! Et là, on saute sur le bout des pieds. Montre-moi la vitesse karaté sportive. Quand je dis switch, tu fais le switch. On voit si tu es rapide. Switch. Ha! Switch. Ha! Toujours sauter sur le bout des. Et voilà. Double switch. Ha! Ha! Triple switch. Ha! 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 Oh oui, monsieur, oui, madame. Switch. Ha! Switch. Ha! Quadruple switch! Ha! 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 On inspire. Et on expire. Encore. Et on expire. Mets les mains ici parce que tu sais qu'au programme Évolution, c'est à ce niveau-là qu'on développe, encore une fois, la précision. On tourne les épaules. Tourne la tête devant. Fais des grands oui. Je profite du temps de qualité. Oh oui, je m'occupe. On fait des grands noms de chaque côté. Pousse une main d'un côté, pousse la main de l'autre. Prépare-toi et écoute bien. Tu dois faire 3 jumping jacks, 3 squats sauts, 3 coups de poing et 3 coups de pied. Et tu fais ça sans arrêt. 3 jumping jacks, 3 coups de poing, 3 squats sauts et 3 coups de pied. Est-ce que tu es prêt à le faire avec moi? Oui, monsieur. Et dans le feu de l'action, si je dis 2, tu passes à 2. Si je dis 1, tu passes à 1. Parce qu'au karaté sportif, on est toujours prêt. Prêt à compter, prêt à faire les mathématiques. Prépare-toi. On commence à 3. Go! 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2, 3. 1, 2. On y va pour 2. 1, 2. 1, 2. 1, 2. On y va pour 3 cailles, c'est parti! Oh oui, expert des consignes! On y va! Je te regarde! Tu le fais bien! On continue! On passe à 1! Ok, on y va! 1! 1! 1! 1! 1! 1! On passe à 4! Ok! Allons, on écoute les consignes, on les fait 4 fois! 1, 2, 3, 4! Je suis concentré! Je fais les bons choix! Je suis fort! Plus haut, plus vite, plus fort! Et stop! Pour que tu en écoutes, qui a bien fait? Tu as bien fait? Tu as bien compté à la maison? Est-ce que c'est les garçons ou les filles? OK, prépare la position. Position. Position de défense. Arrête! Laisse-moi tranquille, je vais le dire. Croise les bras, contrôle de l'intimidation. Si tu te fais bousculer, est-ce que tu as le droit de te défendre? Oui, monsieur? Oui, parce que la ceinture noire se protège. La ceinture noire est capable de démontrer ses limites. On le fait encore plus fort. Arrête! Laisse-moi tranquille. Je vais le dire. Ha! On fait les blocs. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha! Compte avec moi jusqu'à 8. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ha! Position. On s'applaudit. On s'assoit. Contrôle! Ouvre les jambes le plus grand que tu es capable. Tout de suite, allez hop! Oublie pas, dans ton entraînement, tu t'assures d'avoir assez d'espace libre pour faire ton karaté sportif. On ouvre un peu plus grand. Roulement de tambour. Stop! Plus vite, go! Stop! Attrape ton pied gauche. Compte jusqu'à 10 avec moi. Go! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7,
8, 9, 10. Roulement de tambour. Stop. Descends à droite. Et on descend. Allez, vas-y, tire. Les exercices quotidiens sont importants. Ça te permet de bouger. Ça te permet donc de, oui, oxygéner tes poumons, mais aussi d'entretenir tes méninges, ta tête. Ça aide à la concentration. On descend plus bas. Roulement de tambour. Mets les mains loin devant le milieu. Oh, ça tire, ça tire. Pour 4, 3, 2, 1, on s'assoit. Contrôle. Maintenant, précision entre le coup de pied de côté, le coup de pied avant, le coup de pied en rond et le coup de pied crochet. Alors, tu vas le faire avec M. Marcelin. On commence sur le côté pour qu'après, on le fasse debout. Oh là, on est couché sur le côté. Comme ça ici. Alors, la jambe qui est sur le dessus, on commence, c'est le coup de pied de côté. Côté, allonge ton talon, montre-moi-le. Tu vois, tu pousses avec le talon. On le dit en français, côté. In English now, side kick. Maintenant, plie ton genou. Coup de pied de côté, on en fait trois. Pousse bien avec ton talon. Go! 1, 2, 3. Maintenant, pointe les orteils, le dessus du pied. Le pied pointu, c'est le dessus du pied qui touche. Plie la jambe. Trois coups de pied en rond, en rond, en rond, en rond. Dis-le avec moi. Et on va compter. On peut, en anglais, ça s'appelle le round kick. Alors, compte avec, on dit en rond, en rond, en rond. Go! En rond, en rond, en rond. Maintenant, le genou est en, et encore une fois en haut. Tu ramènes le pied par derrière. Tu vois, regarde. Et c'est pour ça qu'on appelle ça le crochet. Le hook kick. En anglais, on dit le hook kick. Un peu comme le capitaine crochet, tu vois. Comme avec Jack Sparrow. Alors ici, on tire le pied. Le crochet. On dit crochet. Crochet. Ouch. Crochet. Ouch. Crochet. Ouch. Oh, hey, vous êtes bons. Gardez la jambe dans les airs, les amis. Là, on combine les trois. On va dire côté, en rond, crochet. Et on veut voir le changement de la position de ton pied dans les airs, dans l'espace. Prépare-toi. On dit côté, en rond, crochet. Je te regarde. Go. Côté, le talon. En rond, le pied pointu, pointé. Et le crochet. Alors, on y va. Go. Côté, en rond, crochet. Dis-le avec moi encore. Go. Côté, en rond, crochet. Encore une dernière fois. Go. Côté, en rond, crochet. Garde la jambe. Oh, ça commence, ça force, hein. Le pied, regarde, colle ton genou, ici à l'épaule. Et là, c'est le avant. Avant. Regarde, Monsieur Marcelin, lève les orteils comme ça. Et c'est le coup de pied avant. On l'arrondit avant. 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 Oh, ça commence à tirer, là. Et là, on dépose. Oh! On fait comme un massage ici, là, tu vois. Oh, ça fait du bien, là. Maintenant, on l'a fait coucher sur le côté. Est-ce que tu crois qu'on pourrait le faire debout? Oui, monsieur, hein? Alors, on va voir qui va se lever dans 3, 2, 1, debout. Confiance! Je suis capable de gagner et de réussir. Position. Position de combat. Ha! Alors, tu vois, je me place comme toi, identique. La jambe gauche devant. Côté. On pousse avec le talon. Côté. Tu vois? En rond, le pied pointu, pointé. En rond. Ouch. Crochet, je tire le pied par derrière. Crochet. Ouch. Excellent. Alors là, tu regardes, M. Marcelin. Ta jambe est devant la jambe gauche. J'ai ma jambe devant. On fait pareil. Côté. Ouch. En rond. Ouch. Crochet. Ouch. Avant. Tu vois, avant, j'étais vers l'avant comme ça. Avant. Côté. En rond. Crochet. Et là, je te regarde. Tu es prêt? Parce qu'un karatéka est toujours. Prépare-toi. Avant. Ah! Tu étais plus vite que moi. Là, je te regarde. Je veux que tu sois encore meilleur. Côté. En rond. Crochet. 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 En rond. Côté. Côté. Avant. 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 Position. On s'applaudit, bravo. Oh là 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 là. Tu vois, on l'a fait d'un côté, on va le refaire de l'autre. Oui. Ce qu'on fait d'un côté, on le fait de l'autre. Ah oui, quand je brosse mes dents, je brosse autant le côté gauche que le côté droit. Autant en bas qu'en haut. Excellent. Prépare-toi. Nous y allons maintenant se coucher sur l'autre côté. Oh, ça fait du bien. Alors, comme ça ici, on lève la jambe qui est sur le dessus. Je peux mettre ma main ici en dessous de ma tête pour supporter bien la tête. Je pourrais également l'étendre comme ça. Et on est ici. Et moi, ça me rappelle des souvenirs. Je me rappelle très bien à l'époque, lorsque je m'entraînais très, très fort pour obtenir ma ceinture noire. J'étais dans mon lit le soir et je refaisais les techniques de coup de pied dans mon lit.
Oui, et même des fois, quand lorsque mes parents me regardaient dans le salon, je leur demandais la permission. Et je pratiquais dans le salon, sur le sofa, couché sur le côté, la mitraille des coups de pied. Pa, 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 pa. La combinaison multiple des coups de pied. Ah, ça, c'est cool. Alors, on y va. Côté. Je dis go, tu dis côté, côté, côté. On en fait 3 pouces avec le talon. Oui, c'est ça, le talon. Go, côté, côté, côté. Encore, go, côté, côté, côté. Pointe les orteils. Ah, oh, mon soulier est détaché, je vais l'attacher plus tard. Alors, prépare-toi, je suis déjà couché sur le côté, il n'y a aucun danger. Pointe bien les orteils. En rond, en rond, en rond. Go, en rond, en rond, en rond. Encore, go, en rond, en rond, en rond. Ah, vous êtes bons, les amis. Crochet, donc de l'arrière vers l'avant, j'étire, je ramène le pied par derrière, on dit le crochet. Crochet, ouch! Oh! Crochet, ouch! Crochet, ouch! Crochet, ouch! Oh, c'était rapide ça. On dit côté, en rond, crochet. On combine les 3. Go, côté, en rond, crochet. Encore, fais-le avec moi, dis-le avec moi. Go, côté, en rond, crochet. OK, in English now. Side kick, ouch! Round kick, ouch! Hook kick, ouch! Là, tu vas dire « side, round, hook ». Can we do it together? Est-ce qu'on peut le faire ensemble? Oui, monsieur! Ooh. Side, round, hook. Go! Side, round, hook. Go! Side, round, hook. One more time. Last time, best time. Dernier kick, tu dis meilleur kick. Dernier kick. Dernier kick. Meilleur kick. Go! Side, round, hook. Le pied devant. Et le condi avant. 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 Oh, ça commence à tirer, là. Avant. Avant. Et on s'assoit. Contrôle. Tu vois, les amis, pendant qu'on fait les bons choix, bien, autour de moi, je construis mon avenir. Tout simplement. Oui. Et une chose est sûre, avec tes parents, ils sont en mesure de te donner des techniques défis. C'est à toi de l'écouter. Et surtout, évite de les faire répéter. Hein? Parce que plus on passe du temps de qualité en famille, souvent on prend pour acquis certaines choses. Alors, fais les choses importantes en premier. Prends le point et relève-toi. Confiance! Ouch! Position. Prépare la position de combat. Position de combat. Ha! Prépare maintenant parce que c'est le switch. Switch! Ha! Et là, tu vois, la jambe qui est devant, je me place comme toi. Alors, on fait le coup de pied de côté. Pousse avec le talon. Côté. Ouch! Côté. Ouch! En rond, le pied pointu, pointé. En rond. Le round kick en anglais. En rond. Ouch! En rond. Ouch! Et le crochet, on tire le pied par derrière. Tire le pied, un grand mouvement. Tu vois? Parce que lorsque, si exemple, tu lances un ballon, tu ne fais pas seulement un petit lancer comme ça, tu fais un grand mouvement. Alors, le coup de pied, c'est exactement la même chose. On fait un grand mouvement. Crochet. Crochet. Et là, je me place comme toi. Je veux te regarder. Je veux le voir avec toi parce qu'ensemble, nous sommes plus forts. Prépare-toi. Jambes devant. On le fait en même temps. Côté. Pow. Côté. Pow. En rond, le pied pointu, pointé. Le dessus du pied qui touche. En rond. Pow. En rond. Et le crochet, je tire le pied par derrière. Crochet. Crochet. Pow. Ouh, regarde. Crochet. Et maintenant, écoute les consignes. Côté. En rond. En rond. Crochet. Crochet. Écoute bien. Avant. Tu vois, M. Marcel a tourné ses hanches et je suis vers l'avant ici. Avant. Côté. En rond. Ah, oh, vous êtes trop fort. Écoute bien. Crochet en rond. Oh, vous combinez les deux. Crochet en rond. Oh, tu vois, il y en a qui le font sur une jambe, il y en a qui déposent la jambe. C'est ton choix, ta décision. Crochet en rond. Position. Hey, on s'applaudit, les amis. What a great performance. Là, je dis, dernier jeu, tu dis meilleur jeu. Dernier jeu. Dernier jeu. On dit avec moi, kata. Karaté sportif. Parce que les katas, c'est important pour comprendre les mouvements. Alors, nous allons faire un mouvement que j'aime beaucoup. Le début du premier kata. Et tout de suite après, le troisième kata. Et tout de suite après, on va pratiquer le back fist que l'on fait dans le premier pinan. Oui. Position. Premier kata. Plie le bras, touche au bicep ici à l'épaule. Bloc. Marché jab. Plie le bras. Ton même bras de l'autre côté. Bloc. Pouf. Marché jab. Bloc en bas vers l'avant, vers M. Marcelin. Bloc. Avance vers moi. Marche jab 1. Marche jab 2. Marche jab 3, l'équipe. Ha! Position.
avez été très bon, bravo. Et n'oublie pas que sur la chaîne du groupe Karaté Sportif, il y a tous les katas. On a même fait des capsules du premier au quatrième kata et du premier pinan au cinquième. Et toi, tu peux les faire et refaire encore et encore. Position. Maintenant, troisième kata. Troisième kata. Position de départ, j'ouvre les mains, je touche à l'oreille. Chuto. Je suis bien placé en chuto. La main du chuto bloque. Pouf. Marche pique. Et tu vois, la main est en dessous du coude pour m'aider à viser, pour être fort, précis. Touche à l'oreille, chuto. La main du chuteau bloque. Marche et pique. Pouf! Touche à l'oreille vers M. Marcelin. Chuto. Qui a la plus belle position au monde? Marche pique 1. Boum! Marche pique 2. Boum! Marche pique 3. Ha! Position. Et on s'applaudit, bravo. Et là, j'aime beaucoup le premier pinan. Le premier kata de la paix, oui. On dit premier pinan. Position de départ, plie le bras, bloque. Pouf! Marche jab. Pouf! Oh, il y a des amis qui ne le connaissent pas. C'est pas grave. Fais-le avec moi. Plie le bras, bloque en bas. Boum! Là, c'est là. Plie ton bras, regarde, et le bras, je le tourne et je fais le back fist. Ça, c'est puissant, ça. Alors, back fist. Dans le kata, on a fait juste ça, mais là, on va faire plusieurs fois. Go! Pow! Go! Pow! Go! Pow! Go! Pow! Donc, c'est le coup du revers de la main qu'on dit en français. En anglais, back fist. Back fist. Marche jab qui aille. Ha! Vers M. Marcelin, bloque en bas. Boum! Qui est fort, qui est solide. Ouh. Marche bloc en haut une fois. Marche un deuxième bloc. Troisième bloc. Position. C'était beau, hein? On s'applaudit, bravo. Et là, un de mes kata favoris du cours Révolution. Deuxième pinan. T'es prêt à le faire avec moi? Position. Deuxième pinan. Puis le bras. Bloc milieu. Solide. Colle les jambes. Imagine quelqu'un t'attrape la main. Tu veux te libérer. Tu colles les jambes. Double bloc, double bloc. L'autre côté, bloc milieu. Colle tes jambes. Double bloc, double bloc. Vers M. Marcelin, frappe la main ouverte ici. Boum! Un karate chop. Bloc en bas. Marche et pique. Bang! Ferme la main. Tu vois? Là, tu fermes la main pour faire le spinning back fist qu'on a pratiqué tantôt, le coup du revers de la main. Je tourne. Back fist. C'est comme un back fist avec une tornade, tu vois? Tourne, back fist, marche jab qui aille. Ha! Position. On salue. Et on s'applaudit, bravo! Est-ce que tu es prêt à faire lire avec un exercice musculaire, oui, monsieur? Je sais que tu aimes ça. Je sais que tu aimes les exercices musculaires. Tu sais pourquoi? Parce que là, c'est très, très important pour les muscles. Alors, on se place pour faire un exercice des push-ups, mais les push-ups qui vont nous permettre de marcher un petit peu. Oui, tu vas voir! On va se déplacer un peu comme si on était une fourmi. Oui, un peu comme si on était un petit insecte qui va bouger avant, arrière, à gauche et à droite. Tu es prêt à le faire avec moi, oui, monsieur? Un genou au sol, contrôle. Le plus important, c'est de garder son dos un peu plus haut que ses bras et que ses pieds, bien sûr. Pourquoi? Parce que nos hanches doivent être plus hautes pour nous permettre de déplacer, pour protéger notre dos aussi. Alors, toi, tu es comme ça, en push-up. Tu vois, M. Marcelin peut se placer comme ça. Alors, bouge pas. On plie nos bras un petit peu, juste trois fois. Un, deux et trois. Et là, maintenant, on marche deux pas. Un, deux. On recule deux pas. Un, deux. On s'en va à gauche. On s'en va à droite. On recule. On avance. On va à gauche. À droite. Un peu comme les dinosaures sont très forts. On marche plus fort. En avant. En arrière. À gauche. À droite. Maintenant, on saute. Saute devant. Saute derrière. Saute à gauche. Saute à droite. Hey, vous êtes bon! T'as peut-être, si t'as un animal à la maison, comme un chien, tu l'as peut-être déjà vu sauter comme ça. On le fait une dernière fois. En avant. En arrière. À gauche. À droite. On peut s'applaudir, bravo! On s'assoit, jambes croisées, mais sur les jeux. 1 sur 10 ou 10 sur 10? On inspire. On expire. Encore. On expire. Les amis, on a fait un cours 1 sur 10 ou 10 sur 10? Tu vois tout ce qu'on apprend ensemble? M. Marcelin est très content de pouvoir faire le karaté sportif avec toi à la maison. On se revoit très bientôt pour une autre très belle capsule. Karaté sportif, une école ceinture noire. Prends le point, relève-toi, confiance!
Position. On ferme la main, on ouvre l'autre. Au karaté sportif, on est une école ceinture. Respect, gentillesse et poli. Bonne journée, les amis.